Oh mais je m'ennuie, personne veut jouer avec moi, je sais pas quoi faire. Moi je fais du hip-hop, ça fait des trucs qui claquent. Ça fait comme quand je mange des pâtes, mais pas des pâtes de moustique, des vraies pâtes. T'en as pas marre de jouer à tes jeux de bébé là? C'est honteux. Tu veux pas plutôt qu'on fasse des vraies activités comme aller au cinéma? Comment par exemple? Aller au cinéma? Aller au cinéma? Alors qu'on pourrait danser dans l'herbe? Ah mais tu déconnes j'espère. Non mais il est perdu cet enfant. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? De pire en pire. Mais qu'est-ce que j'ai entendu là? Il y a quelqu'un? Enfin quelque chose d'intéressant qui se passe dans ma vie. Et oh! Oh c'est bon. Oh, elle me regarde plus. Je vais enfin pouvoir trouver une activité sans elle. Il y a quelqu'un qui se cache. Est-ce que c'est un prank? Mais j'ai pas rêvé là. Il y a quelqu'un. Salut. Salut mais vous êtes qui? Moi, je pense que je vais me faire un beau petit cinéma. Ah, je vais danser en haut. Enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais elle a disparu. Il se passe vraiment des trucs bizarres. Esteban! Eh oh! Mais où est-ce qu'il est? C'est bien foutu de moi encore. Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas où je suis? Bah non. Cherche un peu, va plus au fond de la forêt. Mais non, viens toi, j'ai pas envie de traverser toutes ces feuilles là, il y a plein d'insectes. Retourne-toi. Ah! Mais c'est quoi ça? Je peux pas rester ici. Faut que j'appelle Esteban pour lui demander de l'aide ou je sais pas, mais je prends pas le risque de rester dans cet endroit bizarre là avec des poupées. Allez, je vais appeler Esteban. Allô Esteban? Allô, attends, je danse là, je t'entends pas. T'es sérieux? Attends, je dois te dire un truc. J'étais dans la petite forêt là au fond du jardin. Et ouais. En fait j'ai entendu une voix et il y a une poupée qui est apparue comme ça, faut vraiment attends, que tu viennes. T'as entendu la voix de la poupée? Oui. T'es sûre de ce que tu dis? Tu l'as vue? Certaine, mais oui je l'ai vue deux une fois même. Avec des cheveux rouges? Oui. Surtout bouge pas, j'arrive tout de suite. Ok bah vite alors, dépêche-toi, ça fait peur. Me dis pas que... Oh non, elle est vraiment au fond du jardin. Elle a pas inventé l'histoire. Ça se reproduit, ça fait au moins 2 ans que j'avais pas entendu parler de cette poupée. Quand j'étais petit, tout le monde me disait « Esteban, c'est faux, ça doit être dans ta tête. » Mais à chaque fois, quand j'allais au fond du jardin, elle venait me parler avec sa voix de petite fille, là. J'espère qu'Esteban, il va me dire ce que c'est, parce que ça me paraît vraiment chelou, cette histoire. Hein. J'ai jamais su. J'ai jamais su ce que c'était. Encore maintenant, j'en ai des frissons. Ensemble, on va découvrir ce que c'est. On va élucider ce mystère. C'est bon, Lily Rose. Je suis là. Alors, explique-moi, qu'est-ce que t'as vu exactement? Là, j'ai besoin de toutes les informations parce que ça me rappelle quelque chose qui me plaît pas du tout. Ben en fait, voilà, j'étais là-bas et j'ai entendu une voix. Non. Et ensuite, j'ai levé la tête. Non. Si. Non. Et je l'ai vue. Et ensuite, je me suis retournée. Et je l'ai vue aussi. Non. Si. Elle m'a dit d'aller au fond du jardin. Non, 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 ça peut pas être ça. Elle peut pas être de retour. Lily Rose, j'ai un peu peur d'y aller tout seul. Est-ce que, s'il te plaît, on peut y aller à deux? Allez, viens. Oui, non, 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 mais j'y vais pas, mais oh là là. Attends, je vais prendre les abonnés avec. Salut les amis. Je vous prends à la main comme ça, parce que on va visiter une forêt dans laquelle depuis toujours, parce que c'est notre maison depuis très longtemps maintenant, notre maison à la campagne depuis très longtemps. D'ailleurs, vous allez bientôt plus la voir parce que on l'a vendue, on déménage parce que justement ouais. Il se passe trop de trucs dans les greniers, on entend des bruits. Oui. Et depuis que je suis enfant, bon là ça faisait 2 ans que c'était pas arrivé, on n'arrête pas d'entendre des bruits trop bizarres. Attends, vas-y, avance. Ah, mais fou encore elle. Quoi encore? Attends, attends. Le salut, c'est ce que t'as entendu tout à l'heure? Oui. C'est exactement la même voix qu'à l'époque. Tu sais comment j'appelais ça? Non. La petite fille de la forêt. Oh. Ouais, il y a plein de bêtes, hein. C'est sûr que vous l'avez entendu là. C'est fou. Attends, non. Elle est où? Et pour tout vous dire, les amis,
à l'époque, la forêt, elle était ultra, ultra grande. Là, il reste plus grand chose parce que on a mis du grillage. Avant, c'était au moins 10 fois plus grand. Ouais, et ça faisait vraiment et bizarre. Et quand j'étais petit, des fois, je me perdais dans la forêt. Enfin, c'est pas que je me perdais, c'est que je jouais dans la forêt et j'entendais cette... T'es où? T'es où? Je sais que tu me connais. Je te connais depuis longtemps. Oh là là. Les amis, si vous la voyez... Attends, j'allais dire dites-nous en commentaire. Mais c'est elle que je vois là-bas. Vas-y, vas-y. Mais comment elle a sors de la forêt. Mais oh là là. Non mais attends, tu me jures qu'elle est apparue derrière toi, etc. Mais oui, même là sur l'arbre. C'est incroyable que j'arrive à la filmer. Elle bouge plus. Non mais c'est incroyable. Attends, c'est celle-là, t'es sûr? Mais... Elle a disparu. Mais tu l'as... C'est pas possible. Tu la tenais dans les mains il y a 5 secondes. Mais oui. Non mais attends, comment elle a pu pas... Ah, je sais même plus parler. Troublant, ce truc. J'ai tellement parlé que j'en perds les mots là. Mais c'est pas possible. C'est sûr que vous l'entendez à la caméra. Ouais. Je sais pas quoi faire. Franchement, c'est ta faire. Quoi? Faire. Y'a rien derrière toi, y'a moi derrière toi. Punaise. Je suis perdu. Attends, c'est pas mon téléphone qui sonne là-bas? Je sais pas. Vas-y, dépêche-toi. Je vais essayer de décrocher pour voir s'il y a un problème. Vas-y, on retourne dans la forêt. Ok. Allô? 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 Vas-y, essaie de décrocher. Ça veut pas me parler. Allô? Quoi encore? Trouvez-moi! Je serai partout! Jusqu'au moment où vous me trouverez! Quoi? Bon, moi j'en ai marre. Hein. Moi je m'en vais là. J'abandonne cette. Tu t'auras jamais t'en aller de cette maison! Tu me fais pas peur! Et non, mais c'est. Lily Rose! Quoi? C'est pas une manière de parler, même à une poupée hantée. Oh, c'est bon. Non, il faut être respectueux. Tu vas la rappeler, tu vas t'excuser. Allez. Allô? Pardon. Faut pas raccrocher au nez. Oh. Bon, les amis, suivez pas l'exemple. Hein. Quand quelqu'un vous téléphone, même si c'est quelqu'un de bizarre... Non, si c'est quelqu'un de bizarre, raccrochez. Il y a trop de trucs qui vont pas. Bon, allez. Les amis, ce qu'on va faire, c'est que... On va se donner rendez-vous dans une autre vidéo... Parti comme c'est parti, à mon avis, viens, Lily Rose. Parti comme c'est parti. Faut pas que tu sois déçue, mais à mon avis, elle va nous suivre jusqu'à chez nous. J'ai pas peur d'une poupée de 30 cm. Elle a envie de rejouer avec nous, c'est sûr. Ouais. Bon, on vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. En attendant, vous pouvez aller voir notre dernier clip ou une de nos vidéos qui apparaît sur le côté. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire très rapidement? Lâchez un like, abonnez-vous, cliquez sur une vidéo qui apparaît. La cloche, abonnez-vous, la cloche. Abonnez-vous, la cloche, abonnez-vous. Au revoir. Parce que je les adore, ils ont peur à chaque fois, alors que je suis très gentille. Non, je rigole.